الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Et il nous a gardés en vie avec iman. Donc il y a un premier bienfait, c'est la vie. Un deuxième bienfait, c'est iman. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes suffisamment en bonne santé pour pouvoir accomplir la salat dans masjid. Un troisième bienfait, afia. Mais ces bienfaits ne resteront pas éternellement. Le bienfait de la vie, il va se terminer parce que nous allons mourir et nous allons tous mourir. Quand est-ce que nous allons mourir? Nous ne savons pas. Comment nous allons mourir? Nous ne savons pas. Deuxième bienfait qu'on a dit, c'est que nous sommes croyants, nous avons iman. Mais est-ce que nous allons mourir avec iman? Nous ne savons pas. Et ce troisième bienfait qui est afiyat, qui est la santé, qui est cette tranquillité qu'on a, cette possibilité, ces capacités qu'on a, physique, intellectuelle, morale, jusqu'à quand ça tient? Ça aussi on ne sait pas. Donc ces trois bienfaits-là peuvent partir à n'importe quel moment, peuvent disparaître à n'importe quel moment. Mais si le bienfait de afiya part, c'est une grande perte. C'est une très grande perte. Mais si on est musulman, malade, musulman, handicapé, on est quand même gagnant. Mais si le bienfait de iman part, lorsque la mort arrive, ou avant que la mort n'arrive, ou lorsque nous allons mourir, eh bien nous n'allons pas avoir les capacités spirituelles pour prononcer « La ilaha illallah » ou bien pour qu'Allah soit satisfait de nous, alors là on aura tout perdu. Dans dunya, tout ce qu'on aura fait dans ce monde ne va rien valoir. Et dans akhirat, parce que tout ce qu'on aura fait dans ce monde dans le but de préparer akhirat, eh bien on n'aura pas pris le passeport pour akhirat. La ilaha illallah. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des signes. Avertissement, vous voulez dire signe. Mais ces signes-là, c'est pour ceux qui comprennent, pour ceux qui veulent comprendre, et pour ceux qui veulent prendre des leçons, et pour ceux qui veulent prendre une leçon et ensuite analyser ce qui nous arrive, et puis pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le mois de Ramadan approche. Ce mois de Ramadan, aujourd'hui on dit Alhamdulillah, masjid est ouvert. Cette année, Tarawih pour faire. Mais l'année dernière et aujourd'hui, posons-nous la question, à ce moment précis, Rajab est déjà rentré. Le mois de Rajab est déjà rentré. Le mois de Rajab l'année dernière et le mois de Rajab cette année. Quelle est notre situation de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous sommes plus croyants? Est-ce que nous sommes plus proches d'Allah? Est-ce que depuis un an où cette pandémie sévit, est-ce que nous avons suffisamment fait tawbah, repenti de tous nos péchés pour qu'on puisse dire Inch'Allah cette année j'accueille le Ramadan de plus belle manière? Chacun il se pose la question. Chacun il se pose la question. Parce qu'avant de penser aux ibadat, et ibadat Ramadan on fera, ibadat on fera même, les actes d'adoration on le fera pendant le mois de Ramadan. Avant de penser à ça, si on ne se repent pas de nos péchés, et tout le monde pêche, tout le monde fait des péchés, tout le monde est pécheur. Il n'y a personne sur terre aujourd'hui qui ne fait pas de péché. Mais si, et c'est humain aussi, on dit bien l'erreur est humaine. Tout le monde fait des péchés, tout le monde glisse. Mais le meilleur des pécheurs devant Allah, c'est celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne prend pas considération que cette étape-là, c'est importante, avant de penser à lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, avant de penser à Salat Ishraq pendant le mois de Ramadan, avant de penser à Salat Tarawih pendant le mois de Ramadan, avant de penser à Salat Tahajjud pendant le mois de Ramadan, avant de penser à Dua Iftar Sehri pendant le mois de Ramadan, c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant qu'on doit penser à Tawbah.
Allah même nous dit At-ta'iboun, ceux qui se repentent. Ensuite Al-abidoun, ceux qui adorent Allah subhanahu. On ne peut pas adorer Allah si on n'a pas passé la première étape. Et la première étape, si aujourd'hui nous sommes toujours dans cette difficulté sanitaire, c'est que certainement il y a un manque chez moi, un manquement chez moi qui a fait que la miséricorde d'Allah n'est pas encore descendue comme il faut. Si chacun y pense comme ça, subhanallah, si chacun y pense ainsi, eh bien chacun va verser des larmes et des larmes devant Allah pour ses propres défauts, ses propres manquements. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde que notre façon de faire, que notre intention. Et ensuite, Allah, il décide de ce qu'il va envoyer sur nous ou pas. C'est pour cela, le but de cette intervention, c'est quoi? C'est Tawbah. Alors Tawbah, et beaucoup de bayans, vous avez déjà entendu ça sur Tawbah, définition de Tawbah, hein, les conséquences de Tawbah, les avantages de Tawbah. En fait, on n'est pas là pour faire un cours. Il faut qu'on comprenne qu'il y a la conscience, que chacun de nous doit prendre conscience. Ça, c'est la première étape, ça. Si je ne prends pas conscience que je dois me repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala, et de repentir de quoi? De tous les péchés. Vous savez tout ce qui est haram, et je sais tout ce qui est haram. On n'a pas besoin d'énumérer. On n'a pas besoin de dire tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas que telle chose était péché. Et elles disent, ah, Moïse, je ne savais pas, moi, ça c'était interdit. Mais là, on parle de tous les grands péchés. Parce que Tawbah, c'est sur les grands péchés. Les petits péchés, vous faites salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les petits péchés. Vous faites dhikr, Allah, il efface les petits péchés. Vous faites wudu, Allah, il efface les petits péchés. Vous faites jum'a, Allah, il efface les petits péchés. Ça efface ça, par les bonnes actions. Mais grands péchés, il faut absolument, eh bien, se mettre en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement pour demander pardon de tous les péchés qu'on a fait, et précisément des grands péchés qu'on a fait. Donc c'est la conscience. La première chose, c'est la conscience. Parce que parfois, lorsqu'on fait tawbah, alors on dit, Inch'Allah, on va faire tawbah. 15e Sha'ban arrive là, bientôt. C'est le mois prochain. Et on pense qu'on fera tawbah le mois prochain. On pense qu'on fera tawbah le mois prochain. C'est vrai. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Sauf quand la mort est passée. Si la mort passe avant, ben ça sera trop tard. Dans la vie de tous les jours, combien de fois on a dit, Inch'Allah, il fait demain, telle chose. Hein? Inch'Allah, telle chose, je remets à demain. Des petites choses. Des petites choses. Par exemple, prendre une clé, mettre une clé à sa place. On dit, va faire après. Malheureusement, on n'a pas mis la clé à sa place. On a oublié. Demain, lorsqu'on a besoin de la clé, on ne trouve pas. Une clé. Une petite chose, et ça nous pose beaucoup de problèmes parfois, parce qu'on ne peut pas ouvrir une porte derrière laquelle il y a un document à récupérer pour donner à quelqu'un en urgence, on ne trouve pas la clé. Ça veut dire, lorsqu'on retarde les choses, pour les choses de ce monde, eh bien, ça nous cause beaucoup de problèmes. Et si on retarde Tawbah, imaginez le grand problème que ça va nous causer, l'immense problème que ça va nous causer. Donc, Tawbah, il ne faut pas retarder Tawbah. Et quand je dis retarder, ça veut dire, parfois certains disent, non mais la nuit de Jum'a, les mieux fait Tawbah, non? La nuit de Jum'a. C'est pas la nuit de Jum'a, aujourd'hui on est lundi. C'est ce soir, si on n'a pas encore fait, c'est ce soir. Et même si on a fait, on nous demande de faire Tawbah avant de dormir chaque soir. Et comment faire Tawbah? Il y a un alim qui a dit, notre istighfar là, ben, il a besoin d'un Tawbah même. Notre Tawbah a besoin d'un Tawbah. C'est-à-dire, parfois on demande tawbah, on fait doigt avec Allah. Imam Sab, t'en fais doigt. D'accord? Après un majlis, doigt de pardon. On tawbah, on regarde le lustre en l'air. On regarde le lustre. Ou bien on fait tawbah, mais on regarde à droite, à gauche. On regarde si l'autre il fait doigt. Ou bien chez soi, on fait doigt. Devant, par exemple, dans une chambre, ou bien. Mais on regarde à droite, à gauche. Tawbah là, ça c'est quelque chose que tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Énumérons nos péchés. Énumérons nos péchés. Parlons avec Allah. Et disons à Allah que, oh Allah, j'ai péché. Oh Allah, je suis faible. Toi, tu es le fort. Oh Allah, je suis pauvre, moi. Toi, tu es le riche. Oh Allah, moi, je ne peux rien sans toi. Sans ton tawfir, je ne peux rien. Oh Allah, tu es tawwab. Tu pardonnes, mais tu pardonnes pas seulement une fois. Tu pardonnes plein de fois.
Même on emmène des péchés de la grandeur, de la hauteur entre le ciel et la terre, la rahmat d'Allah est plus grand que ça encore. Et soyez certains, la rahmat d'Allah est plus grand que ça, est plus large que ça. Allah est plus miséricordieux que toute autre chose sur terre, que tout être humain sur terre. Le rahmat d'Allah n'est infini, limite. Mais à condition qu'on fasse le pas. Et par le pas qu'on doit faire, il doit se faire en quatre étapes. Le pas qu'on fait, tawba là, doit se faire en quatre étapes. La première étape, c'est quoi? La première étape, les ulama nous disent, il faut quitter le péché. Alors, vous allez dire, mais ça, vous êtes contradictoire. On est dans le péché. On a besoin de sortir du péché. Donc, on demande à Allah de sortir du péché. Mais on est encore dans le péché. Non, non, ce n'est pas contradictoire. Ça, c'est tous les ulama à l'unanimité. Hein? Shafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi et tout autre. Ahlu sunnah wal jama'a, tout le monde dit la même chose. Première étape, c'est quitter le péché. Et quitter le péché, c'est comment? Ça peut être physiquement, ça peut être localement, un lieu, géographiquement, ça peut être relationnellement. C'est à cause d'une mauvaise influence d'une personne, on est dans un péché, eh bien, il faut limiter le contact. Je dis limiter, je suis gentil. Les ulama disent couper. On dit on aime pour Allah et on déteste pour Allah aussi. Couper le contact parce que c'est à cause de cette relation-là que je tombe dans le péché. Donc couper le contact. Si on ne coupe pas le contact et on veut se faire pardonner, on ne pourra pas. Et Mawlana Hakim Akhtar, rahmatullah alayhi, apparemment c'est lui-même qui avait donné cet exemple-là. Mufti Ahmad Khan Puri, damat barakatuhum, il a cité cet exemple dans un de ses livres, dans un de ses majlis. Il dit quelqu'un, il est dans la boue. Quelqu'un est dans la boue. D'accord? Et là, il est dans la boue, il prend un arrosoir là, ou bien il prend de l'eau, et il est en train de laver son vêtement. Il est dans la boue même là. Là, il est dans la boue, il lave son vêtement. Moi, je lui dis, bye, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Sors de la boue, mets-toi en dehors de cette saleté, ensuite prends de l'eau et lave ton vêtement. Tant que tu restes dans ce kachara là, dans cette boue là, dans cette saleté là, tu peux te laver autant que tu veux, tu ne deviendras pas propre parce que tu es toujours dans la boue. C'est exactement ça, sortir du péché. Physiquement, je dis bien physiquement, géographiquement, relationnellement, ou tout autre moyen. Tous les outils qui nous amènent, tous les moyens, tous les intermédiaires qui nous amènent, qui nous ont fait faire ce péché, qui ont été la cause du péché ou des péchés, eh bien, il faut couper. Si on ne coupe pas, on n'y arrivera pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les ulama nous disent, il faut regretter. Regretter. Alors le regret, vous allez dire c'est facile, c'est le moment où on regrette. Parce que si on se dit, oh Allah, je ne fais plus ces péchés-là, mais dans le cœur, on dit non, mais je ne vais pas dire parce que j'ai envie aussi de faire. Peut-être que parfois j'ai envie de faire ce péché. Parfois. Je ne veux plus faire tout le temps, mais parfois. Ça, il ne faut pas ça. Ça veut dire qu'il faut regretter, mais sincèrement. Regretter sincèrement que je ne fais plus le péché. Oh Allah, et il faut. C'est pour ça que je vous dis, il faut verbaliser. Ce qu'on pense là, il faut verbaliser ça avec Allah. C'est comme si on fait un pacte avec Allah en fait. Si on verbalise là, c'est comme faire une promesse. Un enfant, il fait une promesse à son papa. D'accord? Ou bien un mari, il fait une promesse à sa femme. Une femme fait une promesse à son mari. Là, on fait une promesse avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on verbalise. Ce qu'on a dans le cœur là, on verbalise. On dit avec la bouche. Et on dit sincèrement, les ulama nous disent, ne pas faire d'exception. Oh Allah, je fais, Ramadan arrive, je ne fais plus. Mais après Ramadan, peut-être que. Non, il n'y a pas peut-être que. Il n'y a pas illa, il n'y a pas parfois. Ce n'est pas facile. Mais c'est décidé. On dit, hein, la vie, là, dans cette vie sur terre, c'est. Parfois, nous-mêmes, on dit à nos enfants, bah, il faut prendre une décision dans la vie, non? Nous-mêmes, on dit à nos enfants, tu prends une décision, tu veux travailler à l'école ou pas? Tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Donc, nous, il faut qu'on prenne des décisions pour nous et pour notre iman. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son maghfira, nous accorde son tauba, nous accorde son pardon, ou bien on veut bricoler, faire du bricolage. Tauba bricolage, c'est quoi? Tauba bricolage, c'est Ramadan arrive, je ne fais pas, mais après Ramadan, non. Nous, on fait tauba sincère. On regrette sincèrement ce qu'on a fait, et surtout, s'il nous arrive, si Shaitan nous avait fait faire le tauba, le péché par la suite, eh bien, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas de décision de, inshallah, hein, je fais tawbah, sauf que je regrette, mais voilà. Troisième chose, il faut faire istighfar.
Et il faut faire tauba. Istighfar, c'est de dire avec astaghfirullah, astaghfirullah, pas istighfar. Tauba. Ça veut dire de demander pardon à Allah, revenir à Allah en demandant pardon sincèrement. Regardez, lorsque quelqu'un cherche à avoir le maximum de profit, il cherche tous les moyens. Lorsque quelqu'un veut se repentir, il va chercher tous les moyens, les meilleurs moyens, les meilleurs moments. Je parle de moments, les meilleurs moments, dernier tiers de la nuit. Après chaque salat fard, le vendredi, il y a un moment spécial où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Ou tous les soirs de façon générale, n'attendons pas. Là, on est le mois de Rajab, on nous dit, il faut. Apparemment, on nous dit, les ulama nous disent, on envoie même sur WhatsApp, on envoie là. Semer pendant le mois de Rajab, arroser pendant le mois de Ramadan, et cueillir pendant le mois de arroser pendant le mois de Sha'ban, et cueillir les fruits pendant le mois de Ramadan. Mais si là même on ne commence pas, quand on arrive à Ramadan, on dit, t'étais pas préparé, hein? On n'était pas préparé pour Ramadan. C'est là qu'il faut se préparer. Et quand je dis se préparer, c'est chacun se prépare. Au niveau de masjid, on prépare masjid, on prépare les programmes. Non, chacun se prépare spirituellement et il se prépare pour devenir un musulman sincère avec Allah. S'il y a quelqu'un, s'il y a un être avec qui on ne peut pas tricher, s'il y a un être avec qui on ne peut pas tricher et on ne doit pas tricher, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde entier, on va tricher, personne ne saura. Mais avec Allah, si on triche, Allah, il le sait. Et on va terminer sur le quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? Eh bien, il faut faire l'intention sincère, comme on dit, azm. Azm, c'est quoi? L'intention ferme, qu'on ne reviendra pas vers le péché. Et lorsqu'on fait cette intention-là, ça c'est. Vous voyez, dans les quatre choses que j'ai dit là, la chose la plus difficile, c'est ça. La chose la plus difficile, c'est ça. Qu'on ne reviendra plus vers le péché. Vous savez pourquoi? Parce que Shaitan, à ce moment-là, Shaitan il intervient. Shaitan, il est toujours là pour faire échouer les plans. À ce moment, il intervient. Dis non, mais ça, on est encore jeune. Non, mais mets en stand-by. Le péché, mets en stand-by. Et puis, par la suite, de toute façon, Allah, il est Ghafour al-Rahim. N'oublions pas, Allah, il est Ghafour al-Rahim. Ça veut dire, Allah, il est Ghafour, un grand pardonneur. Rahim, il est miséricordieux. Mais Allah dit, juste après Allah dit, « Wa anna azabi huwa al-azabu al-alim » Et mon châtiment, c'est un châtiment terrible. Donc, il faut peser le pour et le contre que si je retombe dans ce péché ou si mon intention n'est pas sincère, je n'ai pas la résolution ferme de ne plus revenir vers le péché, eh bien, les trois conditions qu'on a mises là, même si les trois critères sont réunis, taouba n'est pas accepté. Ça, il faut comprendre. Le taouba n'est pas accepté. Et si taouba n'est pas accepté, on n'aura même pas pris la première marche pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères, eh bien, tout ça on dit, et vous allez dire, Moïsa, oui, on est prêt, mais comment on fait? Alors, accrochez à la masjid, attachez à la masjid. Pas seulement à la masjid, attachons-nous aux actions collectives qu'il y a dans la masjid, aussi bien salat que ta'lim, que majlis. Attachons-nous et rapprochons-nous des personnes qui nous font penser à Allah. Les ulama et d'autres personnes, mashaïr, qui nous font penser à Allah. Lorsqu'on est avec eux, eh bien, ils nous font penser à Allah. Lorsqu'on pense à Allah, automatiquement, un laps de temps passé avec ces personnes, automatiquement, on arrive à regretter ce qu'on a fait, qui n'était pas bien, et Allah nous donne tawfiq de nous repentir. C'est ça. Mais si on n'a pas ce rapprochement avec ces a'mal, ces actions de collectif de dîn, en écoutant les fada'il, et avec ces personnes de dîn, eh bien, il sera difficile pour nous. On va faire tawba, mais on n'aura pas le mahol, on n'aura pas l'environnement qu'il faut pour garde-fous, pour les garde-fous, pour se protéger. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce mois de Rajab, un mois sacré. Mois sacré, ça veut dire quoi? Il y a quatre mois sacrés en islam. Mois sacré, ça veut dire toute action, bonne action que vous allez faire, c'est multiplié. Mais toute action mauvaise que vous allez faire, c'est multiplié, c'est décuplé aussi. Le péché aussi est décuplé, comme la récompense de la bonne action est décuplée. Ça, on pensait que dans le mois de Ramadan seulement, ça? Non! Le mois de Rajab, c'était un mois extrêmement important. Extrêmement important, c'est un mois sacré et c'est pour cela, si nous allons, on va dire, faire ce pas-là pendant ce mois de Rajab, Inch'Allah, il y a de grands espoirs dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous, comme on dit, Allah va nous mettre sur les rails. Hein? On va prendre le train en marche et ensuite, mois de Sha'ban sera facile, on sera, on va dire, emballé pour faire les bonnes actions parce qu'on aura déjà nettoyé tout ce qu'il y a à l'intérieur de mauvais, notre relation avec Allah aura déjà été correcte. Et ensuite arrivera le mois de Ramadan, le mois de Ramadan ce sera la cerise sur le gâteau. On va bénéficier, profiter spirituellement, matériellement aussi peut-être, mais spirituellement et puis humainement on va profiter un maximum de ce mois de Ramadan. Inch'Allah chacun de nous va faire ce pas-là.
Ce tawba qu'on doit faire, eh bien, on doit inviter les membres de la famille aussi à faire. C'est notre responsabilité en tant que parent, en tant que mari, de dire à la maison aussi, d'inviter que tout le monde dans la maison fasse tawba, afin que la miséricorde d'Allah descende en abondance dans cette maison, dans chaque maison, que le tawba de chaque personne soit fait, Allah il accepte, il n'y a aucun doute qu'Allah accepte, il n'y a aucun doute qu'Allah accepte. Mais il faut faire le pas, et Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera au mieux, inshallah, et Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagnera dans tout ce que nous allons faire de bien, inshallah. Jazakum Allahu khaira, qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, et inshallah, de propager ce qu'on a entendu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka, wa natubu ilayhi. Jazakum Allahu khaira.